Petite pause sur la route, c'est à ça que ressemble les stations essence en Écosse. Enfin arrivé. Ça, c'est l'hôtel dans lequel on dort ce soir. Et ça, c'est Célestin qui a faim. Voilà là où on mange ce soir, dans un petit village près de Arusha. Voilà, avec cette vue. On recherche la randonnée de demain. Jour 4, première randonnée. On est parti. No, thank you. On va se prendre des petits cafés pour profiter une dernière fois de la vue. Et puis ensuite, on est parti pour une randonnée de 7 heures. Voilà le mont qu'on va monter. Il y a une petite cabane devant une maison où ils vendent des spécialités locales. Il faut juste mettre l'argent dedans. Ça a l'air pas mal ça aussi. Ça a l'air pas mal. Tu veux goûter? On croise des moutons sur notre route. Voilà là où on est, on a déjà randonné 2h30. C'est pas pratique pour les saucissons. Mais tu as un baby chat qui sait ouvrir des trucs comme ça. Ah, regarde, c'est bien fait. Okay. Tu veux que je touche ta bébé? Je sais le faire. Tu sais comment traiter bébé? C'est fait dans un gros truc en fait. Oui, je pense. Comment c'est ça? Tu me donnes un galon? Oui. Bien. Bah, déjà, on va prendre la vidéo du petit mouton. Ah, j'ai fait l'idée, mais quand tu fais des randonnées longues, c'est pas faire la petite randonnée longue. Tu veux les prendre en passant? Mais je suis pas en train de m'arrêter, c'est bon. Salut petit mouton dans les nuages. Salut tout le monde. Salut petite vache noire frisée. On est bien arrivé dans un guest house à Inverary.
Bonjour, bien. T'as dit quoi? Le bébé? Ouais. Tu dois voir la mer, tu dois voir. On a embarqué sur le ferry à destination de l'île de Moule. Et Célestin regarde la F1. On est bien arrivé sur l'île de Mule et on mange dans un restaurant qui est dans une ancienne église. On va prendre des moules. C'est bonne petite moule locale. C'est l'extérieur de où on a mangé ce midi. Ce soir, on dort dans une petite guest house encore, comme ça. Je vais vous montrer la chambre, vue sur mer et tout. C'est trop beau. Et ça, c'est la vue déjà de devant. Et nous, notre chambre, elle est là. Ça, c'est le hall. Les Exxon Mobil, tout ça, comment ils polluent tout ça? On n'y est pour rien, bah, toi, c'est pour les personnes qui sont la queue. Oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses du whisky de Tobermory? Quel est ton avis? Il est très fumé. Ah bon? Oui. Ce soir, on a mangé dans un château super sympa à Tobermory avec une très belle véranda. Là, il fait très chaud, on a un petit peu bu et puis on va rentrer tranquille à la maison. À demain! En tout cas, c'était vraiment cool d'avoir pour une fois un petit coin salon en plus de la chambre.
Hello! On dit au revoir à notre belle chambre avec la vue sur la mer. Là, on part faire une grosse randonnée cet après-midi et ce soir. On dort, alors on reprend le ferry. On va jusque Lokalainen, il me semble, et on dort dans une église. Ça va être une expérience. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dans des églises ici. Par exemple, hier midi, on a mangé dans un restaurant qui était dans une église. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, bon, on verra. En tout cas, on a passé une bonne soirée ce matin. C'était petit déjeuner au saumon et tout. Hier, on a mangé dans un château. Voilà, tout va bien. Et ça, c'était notre vue. Par contre, on a une capacité à mettre le bazar dans la chambre assez impressionnante. Ici, pantalon de randonnée, et après un petit polaire et évidemment le kawaii. La porte est ouverte. On a guéri la porte. C'est magique. Tiens, prends ton On est au départ d'une randonnée. Sur tous les chemins ici, on passe au milieu des moutons. Ils sont en totale liberté. Attends-moi le baby chef. On va pas tarder à aller pique-niquer, je pense qu'on va pique-niquer là-bas là-haut. C'est fou comme ça rend beaucoup moins bien en caméra qu'en vrai. Je vais prendre des anglais. Par contre, la quantité de plastique utilisée pour. Dans notre cas, ça va être utilisé. Petite ruine au milieu de nulle part. Célestin qui ne m'attend jamais. Tu as pris la main dans le sac là. C'est un truc qu'on n'a pas du tout en France.